Et bonjour à tous, nous revoilà sur Armored Warfare et aujourd'hui on va jouer avec le T-72B3, char premium en russe, un très bon char premium. Alors il y a plusieurs modes, enfin plusieurs skins. Moi celui-là, il n'y a pas grand monde qui l'ont parce qu'il fallait faire une compétition, il y avait un concours, un peu concours, un peu compète de farm PVE, enfin JCE. Il fallait être dans les 10 premiers ou dans les 100 premiers, je sais plus. Il y avait un nombre de personnes. Fallait rentrer dans un classement, je crois. Ceux qui rentraient dans le classement avaient ce modèle-là en blanc et en vert. Parce qu'il existe en bleu à la vente, il existe en rouge à la vente. Je sais qu'il y en a un autre, c'est le Sun. Sun, un truc comme ça, le soleil, qui est joli aussi, il y a du rouge, du noir, du jaune, du orange, il est assez joli. Et là, ce modèle-là, bah, il est bien particulier. Hein. Il n'y a la vente, ni à gagner quoi que ce soit. Le jour où on l'a eu, bah, on l'a eu après, c'est vrai. On va dire que c'est vraiment un char collector. Enfin, au moins au niveau de son skin, après, les autres chars sont identiques, hein, je veux dire. C'est pas parce qu'il est de couleur différente qu'il est plus blindé ou moins blindé ou quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un Stingray. C'est passé. On sera mort avant. Non, je l'aurais tué. Bon bah parfait. Allez, on va partir avec le BWP et le Stingray 2 à gauche. Ah messieurs, vous partez à gauche, oui, vous aussi. Parfait. Ah non, le BWP lui repart sur le. Sont là-bas. Allez, go. Ça se voit qu'il connaît le Stingray 2 parce que normalement il y a un char qui est planqué sur la gauche, donc il a fait un petit écart sur la gauche pour voir s'il le spottait pas. C'est quelqu'un qui a l'habitude. Charger encore avant moi. Oh, il a fait des chenilles. C'est vraiment pas de bol. Hein. On va essayer de lui en coller un joli coup. Voilà. Allez, go. On va finir ici. On va aller faire de l'éclairage. Ou là-bas. Allez. Go pour l'éclairage. C'est parti, mon kick. Vieux terme, vieux employé. Attention, c'est un tiré dessus là. Non, y'a personne. Et y'a du monde. Personne là. Mais ils sont où, tous les méchants? Bon, il a un bon coup de canon à la paix. Hein. Il a de la hit, mais bon, je l'utilise pas, j'aime pas trop. Vous pouvez mettre des gros gros coups, enfin des gros coups, pas celui de 800 de dégâts. Bon, si déjà vous mettez des coups à 700 avec de la paix, c'est largement suffisant. Alors, ça, elle est quand même bien bonne celle-ci. On fait tout ce qu'il faut pour, on nettoie, on avance bien à gauche. Là, ça sent les chars qui vont arriver un peu n'importe où. Ça va arriver en vague et ça va arriver de différents endroits, ça c'est sûr et certain. Voilà, j'ai monté sur la cape là et ça va arriver de partout. Ça va arriver de par là, vous allez voir tous les coups. Il y en a qui vont débarquer là, là. Obligé, c'est pas possible. Allez, on va péter ça là. Ah non, je suis même trop bas. Voilà. Bon, là c'est logique que ça arrive par là parce que c'est là que ça arrive d'habitude.
rentre là, je colle. Terminator qui arrive par là. Ouais, mais l'épée va dérentrer le missile. Hein, ça. Voilà. Ouais, qu'est-ce que je vous disais que ça allait arriver par là? Là, ça arrive un peu partout. Alors, il y a celui-là aussi. Allez, viens voir. On prend un autre ici. Et bah, c'est moi qui finis déjà. Un autre derrière maintenant. Ouais. Une partie décousue, hein, c'est bizarre. Hein. Enfin. Allez, un petit coup d'échappe pour aller plus vite. Donc voilà. Char agréable à jouer. Il est souple. Même pour vous diriger dans tous les sens. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il est monté sur le coussin d'air. Il y a quelques chars dans le jeu comme ça qui sont agréables, surtout les T-80, les choses comme ça, souvent ils sont souples de conduite. Ouais, bah j'ai pas spoté grand chose, ouais, il y a pas grand chose devant moi, donc hésitez loin, clair semé à droite à gauche. Bon, je fais 10 000 de dégâts, comme le type 99. Ouais, bon, on va dire voilà. Partie moyenne, classique. Donc voilà. Bon bah c'était le T-72 B3. Bon allez, je vous dis à plus au prochain char. Allez, ciao ciao!